Bonjour, membre Cordon Bill Mayombo. Bonjour, mon frère. Merci beaucoup, membre Cordon Bill Mayombo. Bienvenue à l'IXC News. Je suis un peu plus placé. Je suis un peu plus placé dans la République démocratique du Congo. Je suis un peu plus placé dans la sein du parti cher. Je suis un peu plus Antoine Tshisekedi. Je suis un peu plus placé dans la République démocratique du Congo. Bonne santé, ça va bien. Ça va bien. Accompagné avec la santé politique de la République du Congo, comment la santé politique de la République du Congo est-ce que c'est volé maintenant? Non, la santé politique, ça va bien, mais seulement les gens ils ont quand même l'impatience. Hein. Donc, ils ne disent pas son nom. C'est comme si ils ne vivent pas dans ce pays. Ne pas vivre dans ce pays, c'est pour dire que non, ils disent que non, ça traîne le gouvernement, ainsi de suite. Or, ils doivent savoir que le gouvernement, c'est l'émanation de l'Assemblée nationale. Au moment où l'Assemblée nationale n'est pas encore installée, même si on présente le gouvernement, qui va valider ce gouvernement? Donc le gouvernement a été toujours validé par l'Assemblée nationale. Ce qui fait que quand nous allons aux élections, si aucun parti politique ou aucun regroupement politique n'a lancé la majorité, on nous met un informateur avec une durée d'un mois, renouvelable une fois. Donc dès qu'il finit, on nomme le Premier ministre, parce que le Premier ministre est l'émanation de ce Parlement. C'est la majorité. Merci beaucoup, Namboka. Tout le monde a dit que le Parlement est allé par rapport au course au pouvoir dans le perchoir de l'Assemblée nationale. Tout le monde a dit que la tête est belle, que le ministre est toujours perchoir de l'Assemblée nationale. Mais tout le monde a dit que la situation sécuritaire nous oblige de parler. Et ce comme on a Nanga avec les militaires, avec beaucoup d'adhésions au sein du M23, on va savoir qui Mubangi na défilé, ben militaire, et que non, ce qui est dans la salle, défilé Mokoté depuis à côté de pouvoir, autre que déjà, je pense, deuxième mandat, quoi. Donc, comment vous entendez trouver cette audacité à Corné Nanga vis-à-vis de la République? Moi, j'ai vu les images, donc, vous avez défilé en avant. Ils ont comme ça, donc pour les militaires, ils ont bien habillé. Regardez que les militaires habillés, les autres étaient en terrain civil. Tout à fait, ils ont visité peut-être le centre de formation. Vous voyez, puis, quand les gens, les Congolais, n'ont pas encore compris que non, ils acceptent de mourir à la place d'un individu, ça, c'est leur affaire, parce que je sais que là, à l'Est, ça sera un danger de mort. Donc, c'est-à-dire que les gens vont mourir. Et si vous ne tirez pas attention, ce sera l'expérience de la troisième guerre mondiale qui va se faire là-bas. Puisque les vrais ennemis de la République démocratique du Congo, ce ne sont pas les Nanga ou les Kagame. Ce sont des grandes puissances qui sont en train d'envier, qui veulent nous arracher. Et qui si nous laissent tout ce que nous avons comme potentialité de richesse, nous deviendrons la grande puissance. Or, destiné à Zambé, c'est à mon mobilité. Ah, bah, Congolais, Bélé, y compris yo. Maintenant qu'on le voit que non, Moulou va recevoir pouvoir dans beaucoup. Non, pas moi, pas moi, pas moi. Moi, je n'ai pas dit donc, ça. Donc, on n'engage pas un débat. Ce qu'on le voit, il y a pas, mais majorité, maintenant qu'on le voit, Moulou va pouvoir dans beaucoup. Or, c'est ça qui n'a quatre mal linguistiques. Donc, bah, Congo, bah, soit qui bangala, 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 bah, nous, on partage les gens équitables. Il fallait que nous ne payions pas. Nous ne payions pas. Tant au Bandaka, la grande puissance, c'était l'Égypte. C'est là où nous avons inventé l'écriture. C'est là où les maths étaient inventés. Ce n'est pas les, donc, l'actuelle Égypte des Berbères. Hein. Donc, il y avait Mindere Wanate. Donc, on a dit Égypte noire. Donc, et l'armée la plus puissante, c'était, à ce moment-là, c'était l'Éthiopie, si je me trompe. C'était l'Éthiopie. Après, mutation sur le Salam. Donc, Angleterre a colonisé les États-Unis. Aujourd'hui, États-Unis. Alors là, vous voulez parler quoi? Grande puissance et tout ça. Donc, j'ai dit que non, c'est la mutation. C'est la mutation. Et les mutations, ils ont la PTT, ils ont toujours la douleur. Mutations, ils ont la douleur. Ils ont la Kobendana, et ainsi de suite. Je sais que Bamoussous, toujours qu'il y a la décadence dans Bango. Et nous allons aussi faire la libération de l'Afrique. Donc, moi j'appelle ça, tout ce qui se passe à l'Est, là, comme douleur d'enfantement. Douleur d'enfantement, Mme Boka, mais je pense que vous, l'IDPS, vous allez laisser le pouvoir toujours Nanga, parce qu'on le disait toujours au parti Est, apparemment, parce que vous avez réussi avec paix de temps. Non, non, aux hommes, le problème qui est là, il y a les gens qui ne comprennent pas les autres.
Heureusement, moi, je suis Félix Antoine Tshisekedi. Alors, ça va tout, on va négocier, on va négocier, mais je ne sais pas si je suis là. Papa, quand nous jouons avec le temps, nous faisons aussi la ruse. Vous avez le goût de vous battre. Quand nous jouons Nathan, je suis là. Parce qu'il veut la paix, prépare la guerre. Mais ça beaucoup dirait, mon Amboka. Depuis qu'il a accédé au pouvoir, Mayumbu. Quand tu dis que ça beaucoup durer, c'est comme une maladie qui a plus de 20 ans. Et puis ceux qui ont beaucoup c'est plus de 20 ans. Donc, ça ne va pas prendre le temps que ça va prendre, mais avec le règne d'Antoine Tshisekedi, ça va libérer l'Est de la République démocratique du Congo. Libérer les Congos tout entier et pourquoi pas libérer aussi l'Afrique. Merci beaucoup pour chuter dans ton sécuritaire. Na Katia Uganda, tu as vu que Uganda, c'est dire, voisin frère de la République démocratique du Congo. Au bas de partenariat, bas de la diplomatie entre Bango, mais tout ce que mon bateau aux hommes menaceux, la République démocratique du Congo, baza réfugié, baza qui s'est réfugié na Katia Uganda, na Kampala. Qu'est-ce que cela veut dire par là? Est-ce que la diplomatie entre Ouganda et la République du Congo, est-ce qu'ils sont sincères? Parce que tout le monde est en Tanzanie, quand il y a un conseiller qui est en Tanzanie, il y a un conseiller du Congo, mais pourquoi pas l'Ouganda? Non, non, l'Ouganda, ce n'est pas un ami. C'est un ennemi. Oh, comment ça? Il joue à l'hypocrisie. Nous le savons. Nous le savons. Et nous aussi, au moins, par exemple, si vous avez un condiment, donc, vous avez un condiment. En même temps, vous avez une opération conjointe, en même temps, donc, vous avez une hypocrisie. Okay. Je sais que quelque chose qui a toujours eu la fondation, il y a toujours l'apogée et le déclin. Nous tendons vers là. Donc, la blague a assez duré. Puisque vous déclarez que vous avez une guerre, vous avez toujours se positionner, toujours ma coquille, toujours les hommes, les armes. Est-ce que vous savez que vous avez resté avec 3 ou 4 ans? On avait l'embargo. L'embargo est long, nous sommes en train d'amasser les armes. Ça, je vous assure. Et de former les gens qui vont manipuler ces armes-là. Et ça sera la libération et pour bientôt. Vous en faites. La libération, c'est pour bientôt. Et puis, il y a des gens, c'est comme s'ils ne vivent pas dans ce monde-ci. Puisque pour déclarer une guerre à un autre pays, il fallait réunir des chambres du Parlement. Et maintenant, les deux chambres ne sont pas encore installées. Il va réunir que les chambres. Donc là, ce sont des gens qui ne sont pas vraiment des acteurs politiques, qui ne suivent pas l'évolution politique, qui parlent de n'importe quoi. Merci beaucoup, Wawan Abokabili Mayombo, pour l'instant sécurité de boucler. De ce que nous avons VPM Jean-Pierre Bemba, toujours au Forum Moulin, Nakatiya Ituri, ou essayer de réunir quelques. Mais tu dis que tu boucles et puis tu recommences encore aussi. Non, Yasuka avait dit, je lui dis Yasuka plutôt boucler. Il avait dit Jean-Pierre Bemba, Nakatiya Ituri, ainsi qu'on réunit 9 groupes rebelles au Bazaki, local, pour déposer l'arme et l'abango, pour signer départ et bonne conduite dans la République du Congo. Comment vous avez trouvé l'effort mené par Jean-Pierre Bemba? Il y a aussi au lobby des gens qui c'est un effort. Il y a aussi douté de commettre Kimia. Ceux qui déjà bloquent les autres salamas, déjà, c'est déjà des efforts. On est en train de former. Et les mêmes éléments aussi, nous pouvons tous les utiliser pour sauver la République démocratique. Vous utilisez les rebelles? Non, qu'est-ce que vous appelez rebelles? Les rebelles, c'est par rapport au pouvoir établi. Alors, si quelqu'un, tant que vous avez tout ça, on a un mixage, donc un brassage. Donc, ça va rebelles. Donc, on va rébeller le local de Togo, ça n'a pas monté qu'à pas besoin de soutenir par le Rwanda ou un MDZ normal. Non, ce sont des Congolais. Ce sont les Congolais, mon Amboka Bemba, vous tenez votre nom, vous tenez votre nom, vous tenez votre nom politique. Il y a un bon Nabiso, ou tu sais comment on a le mot sala, ou on a beaucoup de questions à Kabouya, ou Ali, mon corps, il y a Bailly, que le présidium, il y a Union Sacrée, ou à ce que vous avez tâche. Comme formateur, puis comme informateur, c'est que mon salaire, tout ce que mon appelle nomination, madame Judith, a eu qu'au bas de la mousse, mon salaire, il y a mon amour qui s'est caboué à Salaki,
na pendant mission na cela veut dire que ça va que musala on a bien été mon amboka. Non, vous avez des problèmes dans votre tête. Parce que la mission, quand on donne à quelqu'un une mission, ils ont la limite dans mon langage. Ceux qui ont par exemple, que non, a identifié majorité. A identifié majorité, par le mouvement, par parti politique, non, puisque tout ça, on peut être responsable. Et puis, a identifié majorité. Après, vous identifiez une majorité, ils ont la mission, c'est qu'il y a qui. Il faut qu'on ait la taille du gouvernement que vous allez devenir. Ma condition pour avoir un ministre, vous allez en dégainer. Et vous allez soit qui taille au gouvernement, vous allez combien de ministres, c'est 45 ministres, avec combien de vice-ministres. Donc, à cette taille, et puis, tu le dis que non, un regroupement pour avoir un ministre, il faut avoir par exemple 10 députés. Si vous en avez 10 députés, tu as droit par exemple à un ministère. C'est ça le travail de Sengaboué. Ce n'était pas le travail de prendre déjà des noms et donner. Donc, mon salaire au Sénégal va aboutir dans la nomination. Il y a un premier ministre. Non, il ne faut pas d'abord me tromper. Il a abouti dans la nomination, il y a un premier ministre. Avec monture du gouvernement. Avec les accords entre les politiciens qui sont 10 députés, par exemple, pour un ministre. Et maintenant, s'agissant des noms des ministres, ce n'était pas chez moi qu'on devrait déposer. On va déposer maintenant les noms des ministres auprès du premier ministre qui va discuter avec le chef de l'État. Après avoir discuté avec le chef de l'État, on va former un gouvernement qu'on va les présenter, qui va les, donc défendre leur projet au Parlement. Ils peuvent arriver aussi au Parlement, le Parlement rejette ce gouvernement-là. Puisque le gouvernement doit être l'émanation de la majorité parlementaire. Mais les Congolais, donc parfois ils parlent, c'est comme s'ils ne sont pas sur cette terre. C'est comme si ils ne maîtrisent pas les textes qui régissent donc la République démocratique du Congo. Mais les fonctionnements, c'est ça le problème. Et il s'agit donc, puisqu'ils ont faim ici dessus de croyant que quand on va installer le gouvernement, on va commencer à vous distribuer du pain dans la rue, peut-être. Je veux dire, Gizé Kabosa, ça qui est toujours tâche. Il a fait son travail correctement. Et maintenant, il a enlevé ça. Et ça aboutit à la nomination du premier ministre. Et le premier ministre, donc, elle va recevoir les candidatures. Les candidatures seront discutées avec le magistrat suprême. Et Kabouya, maintenant, elle est venue dans son parti politique, maintenant, pour préparer ses candidats à lui de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Donc, dans des assemblées provinciales, dans des gouverneurs, des ministres, et consorts. Voilà. Merci. Les gens qui disent ça, ce sont tout simplement des gens de mauvaise langue. Merci beaucoup, moi, madame, mais c'est Big Mayo. Parce que Mantoumoussou Sobazana Kindogi ne dit pas leur nom. Mais ils se comportent comme ça. Donc, c'est que madame Jita, elle est en train de faire, c'est différent avec Kabouya. C'est légal, c'est légal. Yo, au cas de la Moutiliboke, au lieu qu'on peut essayer, donc, hier, madame, au fond, on a dit que ce qu'il fait, c'est normal, c'est légal. C'est ça sa tâche. Si vous avez un ministre, vous avez un ministre. Si vous avez un ministre, vous avez un ministre. 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 Papa, il y a ce que papa n'a pas eu à gérer. Il y a ce que vous avez à pâte. Il y a aussi la map. Donc, vous gérez boulangerie. Si vous comprenez que vous serez devant la politique, moi, je suis politicien. Politicien, ce que vous avez à dire, c'est que vous avez à la politique. Mais comment vous serez trouvé ça? Il ne faut pas, s'étonner. Les hommes habitent en Europe. On vous dit tous, toujours, on ne peut pas venir te ramasser dans la rue. Oh, puisque je suis intellectuel, je vais faire un ministre, un monde, on sait la politique dans le concept actuel. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Il faut se retrouver dans un regroupement politique, dans un parti politique, pour accéder au pouvoir. Pour les politiciens, ils ont dit que c'est moi qui la politique, qui passe la politique. Au lingua, on a se retrouvé comme ça. Il y a un moment où ils sont mécaniciens, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Pour les gens qui ont été non. Mais le papa n'a pas été mécanicien, il n'a pas été mécanicien. Mais seulement des enfants des politiciens. Là, vraiment, c'est une bassesse.
mais ça devenait de classe, comme que les autres de cette manière là. Donc ngayo tango zoya ko interviewé, tu as insisté pour que tu viennes interviewer. Exactement. Est-ce que papa n'a pas été politicien? Mais mon grand ami pensa que dans cette opposition il des PC 37 ans, je suis comme si je n'avais pas combien d'années. Vous êtes dans un compte de 42, 43 ans, ça n'a pas de peste. Et bon, on a eu comme Bill Mayo Moussou Abimi, comme politicien, on a eu comme un peu de politicien. Tant que vous êtes en train de subir la justice, on a eu un peu de temps, on a eu un peu de chômé. Donc, il est chômé pour que vous avez un peu perdu, vous avez un peu de songolo, vous avez bien. On va dans le système de tout le monde, on a tout ce qui est le plus important. Il y a un peu de temps. Non. Quand j'ai fait la politique, j'ai un enfant ou des enfants avec qui, donc tout le temps, dans la bango, la côte de la cao, la bimina cao, et ainsi de suite. Un jour, le nom de cet enfant-là va apparaître, ne vous étonnez pas. Ce que papa n'a pas besoin de mécaniser, comme mécaniser, pour les atteints. Mais par exemple, je sais bien tirer les photos, puisque mon père fait un grand photographe. Dans des années 60, mon père était déjà un grand photographe avec un studio. On a besoin d'un système à film, on a besoin d'une chambre noire. À Kati, a développé photo à plusieurs comme une photo minute. C'est-à-dire, pour chasser les images, pour nous, c'est dans le sang. Dans le sang. Je sais comment chasser les images, vous posez une image à bien, vous prenez une photo. Donc maintenant, vous avez un biquet. Vous n'avez pas l'habitude. Si vous avez un biquet, vous avez un biquet, vous avez une photo. Merci beaucoup, Bill Mayo Mboha. Bill Mayo Mboha, Bill Mayo Mboha, ma bête, ce qui m'a apporté, a eu mon salaire, ma pécié, poste ministériel, et a dit ma bête. Tout ce qui m'a apporté, c'est l'Assemblée nationale, où je suis en course à pouvoir, ma casse, c'est des grandes têtes, trois grandes têtes, ma casse, il y a course, il y a perchoir à l'Assemblée nationale, moi, j'ai un bouquin qui s'en fait un bosso, moi, j'ai un bouquin à éviter, quand même, moi, les mots, et si, que, basse du coup, la course à pouvoir, je suis en train de dire, c'est retiré qui, t'as que, candidat premier vice-président de l'Assemblée nationale, bah, on va être carrément en boca. Peut-être nous sommes capables de remonter encore une image à l'Assemblée nationale. Oui, tout le monde qui va candidat, bien que il y a mon copain, Nazamoko, il y a un membre qui a siégé dans la commission de gestion des ambitions de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Tout le monde qui va être en train de se faire, il va être en train de se. Donc j'ai beaucoup regretté. Oh. J'ai beaucoup regretté de façon que les gens croient que le pouvoir ici est fait pour des mêmes personnes. Non, pas du tout. Puisque les politiciens sont nombreux. Nakati na bangwana na chekaki na tali na tali na tali. Quand vous arrivez wana sur place wana ngamba wana mutema na lubi ah di bosokuna. Zomu na bantu mibale peut-être va pouvoir représenter du somali. Na tala boy na moni professeur Chilumbayi. A dit non. Tu nous m'as confié. Nathalie Guénon, ce qui est critère, il y a peut-être qu'il y a un conseil ou un conseiller. Si vous voulez, Mathieu, il y a peut-être qui peut être aussi un peu bon. C'était peut-être docteur Etienne, hein? Et Longo. Etienne Guénon, oh, ça va, Babavi, na santé. Non, non, Babavi, il y a des ontologies. Donc, il y a un problème. Mais il y a un problème. 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 Mais finalement, il a été blanchi. Acceptons cela puisque ce que vous avez vu, c'est que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu. Mais pour le moment, pour Nangaï, le moins mauvais, c'est le professeur Chilumbayi. Alors, si on met cet homme-là, je pense que Togo soit un homme intègre, fort, qui peut aussi comprendre puisque au moins c'est un homme tolérant. Nous dans notre bon nation n'a gagné pas en papa, mais on a trouvé que non, c'est celui qui convient. Ce qu'au moins il monte yo, va bien dans la gana montoua na lui que montoua n'est pas convenu place ouana, puisque ils ont appris à quitter le mokoya kitoko pour la démocratie. Puisque nous, à l'IDP c'est le temple de la démocratie. Professeur Chilumbayi. Donc Chilumbayi oui, temple de la démocratie. Et pas Nabiso. On peut s'échanger, au moins peut-être on dirait tout soigné. Quelques temps après, nous revenons dans de bonnes intentions. Mais ce qu'on dit, ma vie, M. Souana, donc on a un peu de temps, on va faire ma publicité. Bon, on peut citer quelques essais. Le roi, ma vie, quand Kondé, on va pas comme ma président. Donc, on n'a pas d'âge où il y a un angoana, on a un peu de temps. Avant de voir le bisou pour lui, il cherche toujours à voir. D'abord, il était un grand rebelle.
Azaki peuple de l'intérieur la manière qu'on disait dans la partie. Nathalie qu'on embata. Mbata dans moi Azaki qu'on a dit. Tous les bengues tous les solos là. Voyez tout pour t'arrêter tout ça. De quoi qu'on a dit qu'on a. Ayamba appelle à ta mère. Donc Mutuana attention à ibisiki gros. Une diplomatie agissante au niveau international. Donc, est-ce que le combattant de PC a connu le bloc international? A connu le bloc international? Le bloc international, donc, il était plus proche. Il n'était plus proche donc, de cette population-là. Donc, Mbata a été un député, a intervenu à Kakuna, a servi à Makamou, il a commencé à attaquer le député, qui vice-premier. Donc, qui premier vice-président, et bon, il y a des photos de les tombeaux. Donc, ce n'est pas les gens qui sont en marche. Ah! Oui. Donc, là, je suis en train de présenter. Le moins mauvais, c'est Tchulumbay. Professeur Tchulumbay. Oui, professeur Tchulumbay. Pas Mbosso, pas Kamere. Non, non. Donc, il y a tout ni. Augustin Kabouya s'est retiré. Nan, il y a des gens qui sont en. Pour moi, c'est le professeur Tchulumbay. Na poste ya premier vice président à l'assemblée à la tête bon kuna na tête ya assemblée ni wana olutangi babati bambosa na bakamera pour tes choix bonjour na basi na kamera basi na kamera acha basa kamera oui kamera kamera ezali lokola beki moko to mimaki na ngona na cheval to sina ngo pouvoir kamera bon, au moins, par exemple, le temps où tu as été en opposition, tu as été en opposition, mais tu as été en opposition, tu le meilleur communicateur de la République démocratique. Meilleur communicateur. Attaché à ce que tu as dit, tu as dit que c'est le meilleur communicateur. Et mon communicateur, c'est celui qui défend son parti et qui fait mal. Et qui fait mal aux adversaires. Comme vous avez dit, vous défendez. Non, non, moi, je suis français, bien, mais. Alors, je ne vais pas me mettre. Et ce qu'on va dire, mais votre choix à la perchoir à l'Assemblée nationale, c'est. Mon amour, Vital Kamere. Donc, je vais dire, Vital Kamere, na Tchulumbay. Donc, puisque voilà. Démocratie régnait bien. Démocratie régnait bien. Et puis, il peut y avoir des intercepts. Vous dites, Tchulumbay n'est pas de moindre. Kamere aussi pas de moindre. Bah, on m'a dit, on m'a dit, la politique internationale, tu as eu un mot de. Mais moi, je suis allé à la Moninga, tu as eu un mot de. C'est un warrior, donc Tchulumbay. Merci beaucoup, Mambo Abil Mayombo, n'est aussi copé sa proposition na yo na kati. Mais na zo linga pe na gouvernement. Na gouvernement, yo salam. Donc. Pour en tout cas, même pas un apaisement, il faut que chaque province puisse être représentée par les ministres. Un ministre méritant. Mais on a le gouvernement de la Moulaïque. Non, 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 nous n'avons que 26 provinces. 26 provinces, si on prend la moyenne, 2 ministres par province, ça fait 26. Attention, pas à 45, mais chaque province, quand même, elle sera quand même représentée. Ça, c'est un. Et en plus de cela, bah, ça, la favoritisme était. Puisque je suis tant que je bango, mais je suis ministre, je suis faire la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, c'est quoi? On est peuple d'abord. Est-ce que Mutuana a préparé pour être ministre? Merci beaucoup, Bill Bayombo. Je suis là. Merci beaucoup, mon amour, Bill Mayombo. Tu es dans le banc, on a des sous à la finance. Oh, la fois passée, c'est ça qui est mission à vous. Qui pour moi, très d'accord, tu es dans mon amour, Nicolas Kazadi. Donc, il y a un ami, c'est le roi de la carte. Nicolas Kazadi, c'est parmi les sorciers de ce pays. Ah. Oui. En tout cas. Parmi les quoi? Parmi les sorciers de ce pays. Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi. Oui, c'est ce que Batiki ministre. Mon temps, ici, réservé. Ce que Batiki ministre, comme Nicolas Kazadi, comme ministre des Finances. Donc, nous serons totalement bloqués. Puisque la plupart des projets sont bloqués. On a un dossier de Missile où il y a un forage. Donc, attendez, Israël, nous sommes en train de faire. Nous sommes en urgence. Nous sommes en train de faire. Si vous avez un rapport à l'organisme international,
Donc il est devenu le millionnaire donc, en République démocratique du Congo. On ne fait pas la politique pour devenir millionnaire. Il faut faire le commerce et autre chose. Nicolas Kazadi a pris sa place là-bas. Mais ce que je dis, je serai désolé et je serai la première personne à s'opposer au seul moment où tu as seulement chez moi. Avant le Congo, comme on a un gamin, on a un pancarte, on a un boulevard, on a un marché, puisqu'on a reconduit donc Nicolas Kazadi. Moi, je vais marcher. Donc, si on le reconduit, je vais marcher. Seul, on a un banderole, on a un marché. Je sais que le colonel a invité au film de marché pour contre le ministre des Finances de Nicolas Kazadi. C'est contre vous totalement. Totalement. Bon, je n'ai jamais eu de problème personnel avec lui. Je n'ai jamais aussi côtoyé. Dans mes habitudes, je n'ai pas l'habitude de côtoyer ces gens-là. Il n'y a pas que lui. Non, il y a eu tes pères. Donc il paye il faut longuement. Donc dans la banzela quand il a 6 mois il confie ici des trucs. Ah il a mon yibi, la directrice de cabinet a payé perdu à Bombio qu'on a pas là qui sait comment voler. Et si on ne tire pas attention, Gizaro, c'est lui le représentant de Banyamulenge. Dans ma cotisation à Banyamulenge pour vos services sur la guerre. Il y a qui sont nos frères, Bill Mayombo. Mais ce sont nos frères, mais. C'est comme les Bayaka, comme les Bangala, comme les Baluba. Yokana et Bissayo, papa. Tous allés à Wa, tous allés par exemple dans l'Équateur, Kuna. Tous allés à Bangwandi, Mopanzukuna, Bassango, la Centrafrique. Tous sont monnés, Bassango, donc la Bangwandi, c'est le problème. Mais Kuna, oh, Bassango, le Bayak, on défend de Bangwandi dans la République démocratique du Congo. Tous allés à Congo, les Tchako, les Nzinga, Bazana Angola kuna. Kusio mwani mbanzinga na mbanzinga kubaye, wade fande bakungo yu bantandu, na ba singombe, bazana kungo yako de fande bakungo na batuwa Angola. Donc, c'est vraiment donc, regrettable. Bati kabiso to résoudre nos problèmes. Donc, à l'interne, nous avons plus de 450 tribus ethnies. Bati kabiso to résoudre nos problèmes de mission interne. Bango, parce que nous refusons de nous faire au Rwanda, parce que ça nous fait guerre. Donc en même temps, ils nous font des yeux doux que nous, puisque tout ça va congoler. Donc ils doivent être corrects au lieu d'être hypocrites. Merci beaucoup. Ancien, comment veut-on de voir bilan et à Peter Kazadi au sein de la ministère intérieur pour te chuter? Bon, si finalement, moi je ne suis pas là pour établir le budget de ces ministres. Non, le budget, non, le bilan. Comment au monde, parce que vous êtes sur le terrain. Son bilan, Ngaï, dans la délai, écoute. Vous pouvez être fier quand la réponse. Au moins, Peter, dans la délai, présenté. Aza, mon zombie, dans le salon, aïe bien. Donc, ce sont les petits bilans qu'ils aient à ma vie, puisque. Il y a un téléphone. Là, je jette des fleurs à Jean-Pierre. À Jean-Pierre Liao. Donc, un très bon. Donc, le travail, et mon ami, par rapport à la réaction, il y a Batoyo à Kambaki. Voilà les gens que nous devons donner le but. Est-ce que vous pouvez souhaiter que Peter Kazadi a la reconduit? Non, il y a plusieurs postes ministériels. Non, à la ministère intérieure, vous pouvez être. Non, pas nécessairement. Donc, il peut occuper l'autre ministère. Mais ma belle, ils arrivent dans le gouvernement comme des novices. Dès qu'ils arrivent là-bas, donc, combien de gens ont Bango? Il y a famille, Nabana, Vandeko. Donc, Azor, Kassou, Bateau, il va vous accompagner. Puisque, au moins, il y a un ministère. Je vais vous donner tout simplement un exemple. Il y a un ministère de l'Intérieur. Vous êtes au ministère de l'Intérieur. Alors, qui chasse embouteillage sur embouteillage. Oui. Première cause. Et ça va OVD, l'office de route, n'a été perdu dans Bango. Puisque, Banzela, parce que c'est la capitale provisoire, 6 mois, il va aller déjà au coffre. Ma boule, ce que c'est le minéne, ralentissement, wana, ils ont créé embouteillage. Deuxième problème. C'est un problème de l'administration.
Donc, en Congo, tout le monde a dit que le chauffeur a fait des rêves. Parce que je ne sais pas si le chauffeur a fait des rêves. Le chauffeur est un oiseau qui est né. L'homme a mis la montre à Moussoussou. Je ne sais pas si on défend les montres qui ont fait l'amende. Donc, le propriétaire paye l'amende. Pourquoi? Puis celui qui a commis la faute, c'est le conducteur. Pour Nangaï, il faut pas qu'un conducteur. Un conducteur, c'est lui qui a commis la faute. Bakate les amendes, a fouti batikaye, a kola pa ko stationner ma bé. Ceux qui ont une amende de 48 heures na cachot à PCR, a fouti te, va transférer na parquet. Batindi na prison, ata pendant 6 jours. 6 jours, même 1 mois. Permis na ye batoboli yango. O comment la discipline na ko na balaba? Proposé par Bill Mayombo. Ouais. Par exemple. Donc sur yo zo solo na bazité. Donc o koyo kango ni. En tout cas, ce que ba ni ko kanga ba conducteur, parce que tu montre que moto ka izo commettre l'infraction, c'est lui qui commet l'infraction, c'est le conducteur. Zo ba ni ko kanga ba conducteur. O moni mo moto ka ya lui papa, zo moto ka na yo moto zo yo ba chauffeur, za chauffeur té, a c'est faute na ye. A faute amende na ye. Wa zo o faute na ye, yo moko sinon, ça va la prendre, il va pas mal stationner avant de gêner la circulation. Donc, ça peut résoudre aussi le problème des embouteillages. Merci beaucoup, nous sommes presque à la fin. Message numéro pour que c'est à Souka dans 2 minutes, c'est pas moi. Donc, un message à Souka, nous sommes congolais, nous bientôt, ils auront le gouvernement, puisque Talakaka. Le gouvernement, c'est l'émanation de l'Assemblée nationale. Il faut pas installer l'Assemblée nationale. Et il fallait bon rechercher la majorité pour faire sortir le Premier ministre. Et après le Premier ministre, il doit former le gouvernement ensemble avec le commandant suprême. Et après, ils vont aller défendre leur projet donc, du gouvernement à l'Assemblée nationale. Et dès qu'ils trouvent gain de cause, c'est à ce moment-là qu'on va installer, vous verrez, des remises et reprises. Et donc, on a aussi un annoncement à la. Pas pour un aventurier, pas pour un vrai ministre. Parce que Bélé Mouzon a besoin de côté de la candidature président. Donc, ils sont en Sony. Pour les gens déjà fatigués, ils ont déjà fatigués. 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 Est-ce que Bélé Mouzon a besoin de côté de la candidature? Est-ce que tant que vous avez pouvoir, il n'y a pas eu. Et donc, une nouvelle impulsion. La jeunesse Moko, il y a quoi porter. Pinch Moko, c'est-à-dire que non, tout le monde ne peut pas arracher le pouvoir. Donc, Patrick Brokoana, Baloyo, Antoine Félix, c'est ce que tu l'as dit, a pour vraiment Bantouba vertébré. Donc, Bazala d'abord, compétent, bien qualifié. De bonne moralité, et puis qui doit présenter aussi la loyauté. De Antoine, je vais diriger le président de la République de Patrick Congo. Merci beaucoup, Bill Mayombo. Moi, je vais vous dire que vous avez un numéro de 143-81-515-2568. Vous avez un numéro de 2 comme les candidats de l'étranger. Vous avez un numéro de 2 Si vous voulez un boulot, faut tes ailes battre la bien. Merci.